Et yo les gars, c'est Yosemix, on se retrouve en compagnie de ma cousine. Salut. Donc là, on se retrouve sur ma nouvelle vidéo. Donc il y en a qui m'ont demandé, tu peux mettre, je t'en supplie, depuis longtemps, pour faire tes montages, tu utilises quoi? Pour mettre à la fin de ta vidéo Scoobible et les likes, comment tu fais? La une, et il y en a une, deux. Donc n'hésitez pas à me redire, les gars, dans les commentaires si vous préférez la une ou la deux. Toi, tu préfères laquelle, toi? La une. Ok, donc il y a deux une et une deux. Non, deux une et une deux. Voilà. Donc, alors, déjà, pour ceci, il va falloir installer, si vous voulez faire déjà le montage. Enfin, moi, c'est un pote qui me l'a fait, donc dédicace à lui. Donc, après, une fois que vous aurez demandé à un pote ou n'importe quel, vous allez installer. Attendez, hop. Vous allez installer Power Detector qui est ici. Ici. Vous installez ça sur Google, sur Play Store. Après, vous allez sur Play Store. Vous installez Google Chrome. Je peux pas créer de compte maintenant. Donc vous voyez, une fois que vous l'avez installé, vous ouvrez et là vous mettez par exemple bouton s'abonner, bouton s'abonner YouTube, tac. Donc là, bouton s'abonner, vous choisissez. Donc moi perso, j'ai pris celui là je crois, il me semble que j'ai là. Après, vous l'enregistrez dans les photos. Bon, on s'en fout. Vous enregistrez dans les photos. Donc, pour ça, vous allez sur les trois petits points. C'est non, ça ton c'est loupé. Oh, c'est ça ton... Attends. Donc, une fois que vous l'aurez enregistré, donc moi, il est déjà fait. Donc, après, vous allez dans les galeries. Et il suffit juste de le placer. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Hein. Donc, attendez. Donc, ça, c'est mes deux photos, donc. Voilà, s'abonner, voilà celui-là, et celui-là que j'ai pris. Donc après, vous faites une dégo, vous mettez retoucher, là, et après vous mettez ça, voilà, et puis après vous choisissez la dimension que vous voulez, et puis après vous validez, et puis voilà. Donc après, une fois que vous aurez fait ça, on va aller sur Power Detector. C'est ça ou pas? Donc, on va aller sur Power Detector. Mon portable n'est pas valide. Attends, on verra ça après. Donc, numéro de projet, vous mettez NARP. Moi, je mets tuto. Tuto, donc voilà. Donc là, vous rentrez, par exemple, la vidéo. Donc, bon, là, je vais pas le faire. Par exemple, vous mettez une vidéo. Par exemple, là, je veux celle-là. Soit vous la regardez ou alors soit vous mettez un petit plus, donc là je vais la faire. Après vous choisissez l'intro, donc soit celle-là, comment. Bon, de toute façon il y en a qui ont choisi. Donc on va mettre celle-là, vous restez, vous mettez tout au bout. Non, c'est loupé. Là l'intro vous la mettez toute, enfin ça peut être long, ça dépend. Donc là, tac, après tu choisis un retour de flamme. Bon, c'est moi ce que je fais. Après, à la fin, les gars, quand je dis lâcher un pouce bleu et tout, attendez. Donc là, par exemple, si je veux mettre le bouton, je sais pas moi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Si je veux mettre le bouton... Tiens, on va mettre le bouton s'abonner. Donc là, je le mets soit vers la fin... Ouais, de toute façon on est obligé de le mettre vers la fin, donc ça va faire ça si vous voulez. Donc là on le met. Et c'est pas encore fait, moi je dis juste c'est Yosemix. Et là vous avez le bouton s'abonner. Sinon vous pouvez aussi le mettre à... Comment? Sinon il me semble que vous pouvez le mettre... Abonner, c'est pas encore fait, moi je dis juste c'est Yosemix. Voilà, donc je crois qu'on peut pas mettre en bas par contre. Hein. De quoi? On peut mettre que le like en bas. Donc après, pour le like, il suffit d'aller ici.
Non, loupé. Ici, vous allez dans stickers. Là, vous voyez le like, vous le mettez. Donc là, voilà. Donc ça fera ça. Et moi, je dis juste c'est le limite. Donc là, si vous voulez, là, vu que c'est pas assez égaux. Après, si vous voulez le mettre en plus petit dans un coin, ça va faire ça. Attendez. Voilà, hop. Après, si vous voulez mettre le bouton aussi partagé. Alors, attendez. Image. Partager, plus. Donc là, le bouton partagé sera en bas. Donc ça fera ça. Attendez, hop. Après, vous voyez, ça va à vous de voir comment vous voulez le placer en fait. Voilà, donc par exemple là, vas-y, bon bah voilà, en tout cas les gars, on va se laisser là, n'hésitez pas à partager. Donc là, si vous voulez que ce soit un petit peu plus grand, bah vous l'agrandissez, voilà, comme ça. Moi perso, il prend comment? Si vous voulez un petit peu plus petit, bah vous le rétrécissez, c'est comme vous voulez. Hop. Donc là on le rétrécit et puis là bah, vous mettez soit ici, bah, déjà ça peut aussi permettre de flouter quand vous avez envie en fait. Par exemple, je vais le mettre comme ça, hop, voilà. Donc ce que ça va rendre les gars, ça va rendre ça donc. Là, le retour de flamme. Donc là voilà, après à la fin... Voilà, à la fin, tac, comme ça. Bon bah voilà. En tout cas les gars, on va se laisser là, n'hésitez pas à partager, voilà. Liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je dis juste après on like. Voilà. Et là le bouton s'abonner à la fin qu'on peut mettre aussi en plus petit si vous avez envie que... Voilà. S'abonner. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Si vous suivez tout ce que je vous ai fait montrer, bah, ça marchera. Surtout si vous êtes débutant, ça sert à rien d'installer des trucs de ouf. Surtout qu'on peut flouter la tête et tout. Si vous avez envie. Et ben en tout cas moi je vous le dis les gars, c'est bien parce que on peut. Par exemple ma cousine elle fait sans. Comment ? Si elle fait pas exprès de voir ma tête, et ben en gros bah, je peux rajouter un floutage. Et puis on va cesser là les gars, c'était Grizzmix. Moi je dis tchuss, c'était Grizzmix. N'hésitez pas à partager, liker, s'abonner et tchuss, c'était Grizzmix, tchuss.